Ok, Grogu. Je vais t'enseigner à devenir un véritable maître Jedi. Mais être un véritable Jedi, c'est avant tout de maîtriser son environnement et avant toute chose se maîtriser soi-même. Tu comprends ? Putain, c'est pas gagné. Écoute-moi bien, Grogu. Pour devenir un véritable Jedi, il faudra contrôler ton esprit et ton corps. C'est pour cela que nous méditons depuis 3 jours, sans manger. La faim est dans ton esprit. Tu dois être capable de la contrôler. Comme la peur. Tu comprends ? Non, laisse ces grenouilles tranquilles, tu ne les mangeras pas, Grogu. En plus, elles sont pas comestibles. Putain, il y a encore du boulot. Comment ? Qu'est-ce que tu oses dire, avorton ? Mais c'est pas ma faute. J'ai mangé du rat et je ne sais pas me brosser les dents. J'y peux rien, moi. Oh, merci. Comment ça, un X-Wing est en train de se poser ? Mais c'est n'importe quoi, c'était pas du tout prévu. Eh oh, y'a quelqu'un là-dedans ! Vous êtes qui, là ? Qu'est-ce que vous faites ici, à cette heure-là ? Hé, Grogu, c'est toi ! Mais ça fait si longtemps ! Mais, comment t'as fait pour venir avec le X-Wing ? T'as même pas le permis ! Pas faux. Allez, montre-moi comment tu sautes. Pas terrible. Pour devenir un véritable maître Jedi, il faudra que tu maîtrises le saut, car c'est un élément essentiel du combat pour les Jedi. J'ai une idée. Pas terrible, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Je vais changer de méthode. Tu vois ? C'est quand même beaucoup mieux.